présente. Chips nous ridiculise. Il n'arrivera jamais à mettre la patte sur l'arête du sale poisson carnassier qui a avalé notre ancêtre comme du vulgaire plancton. Sincèrement, père, on s'en gratte de cette arête, non? Oh, surveille ton langage, Tiffany. Puisque c'est comme ça, ce sera toi qui m'apportera l'arête. Moi? Mais Chips sera hyper vexé si je m'occupe de l'arête à sa place. Je m'en gratte. Et toi, si tu ne m'obéis pas, même régime que ton frère! Fini la vie de château, les combats et les croquettes! Je te coupe les vivres! Fish and chips. Je comprends pas pourquoi ces fléchettes ratent toujours leur cible. Je vais demander à Problemo de leur mettre un radar. S'ils pouvaient aussi te mettre un moteur dans le cerveau. Toujours à rebrousse-poil, Sorette, hein. Dis donc, t'as pas un peu de cash? Je suis à sec, là. Tiens. Marlon, tu me sers un verre? Alors, on est d'accord, Marlon? Faut voir, c'est risqué. Ah, ton frère se ramasse à chaque fois. Et puis, c'est dangereux. Poupée, toi et moi, on est du même poil. Et Chips, au fait, il fait quoi dans ton plantif? Rien, tu le connais. Il ferait tout capoter. Motus et Babine Cogé. On s'envoie une petite brandade pour fêter notre contrat? Sans façon. Pour ce que j'ai à faire, je dois garder la lettre fraîche. Fish chips. Il faut que tu nous en mettes plein la vue. Les barbus sont des poissons qui aiment mordre la queue de... Fish, c'est toi? Oh, Fish, c'est affreux. Mon père. Hein? Il est au plus mal. Voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Avec un peu de chance, Chips ne voudra plus de l'arête. C'est pas beau à voir, Fish, la fin d'un grand félin. Il sucre les croquettes. Il ne dort que 23 heures par jour. Il ne fait plus sa toilette. Il fait même à côté de sa litière. Et... Vite tes détails, s'il te plaît, Tiffany. Je viens de prendre mon petit-déj. On n'a qu'un père, Fish. Et le perdre, c'est... C'est vrai qu'on n'a qu'un père, Tiffany. Le mien est parti acheter des éponges et on ne l'a jamais revu. T'as besoin d'aide? Oh, c'est fait, justement. Mon père voudrait voir l'arête. C'est sa dernière volonté. Mais il n'a qu'à venir à l'aquarium. Étant donné son état, que tu viennes au palais serait plus pratique. Bah, pour qui? Pour Chips? Coupons le poisson. Coupons la poire en deux, alors. À mi-chemin entre le palais et l'aquarium, ça t'irait? Rue de la litière. Non mais tu l'as vu? Quoi? Non mais tu l'as vu? Quoi? Non mais tu l'as vu? Quoi? Fish, il drague ma sœur! On va lui faire sa fête sur Terre à tous les coups, il a rendez-vous avec elle!
Piou. Allez. Fish and chips. Tiens, prends ta bulle d'oxygène. Mais calmos, on a juste rendez-vous avec Tiffany et son paternel. Ah, des barbotus ? Et tu me dis de me calmer ? Au contraire, ça sent le roussi. Marlon, qu'est-ce que tu fais ? Décolle du bar pour un jet ! Quoi ? Tu veux plus de rhum mariné ? Oh, wow ! On en reparlera quand tu auras fait ce que je t'ai demandé. Tu peux pas aller plus vite? Ah, c'est lourd. Tu vas enfin pouvoir utiliser mon système basé sur... utiliser mon système basé sur la décomposition moléculaire à haute température, ou si tu préfères la formule mathématique, x moins 6 puissance 1000 et je retiens 6. Wow! Waouh! Ça, c'est de la mathématique, hein? Fish and chips. Bon, Marlon, n'oublie pas que Père est au bord de l'arrêt cardiaque. Oh! Mon père? Mais j'y crois pas. Fish m'a demandé la patte de ma sœur. Oh là là. Plus près, okay. Fish. Okay. Père à la vue basse. Hein? Quoi? Torpedo! Fish, attends! Je suis ton frère, ok? Pas de poisson dans la famille et encore moins Fish. Mais tu délires! Je voulais juste lui prendre l'arrêt. Mais pourquoi tu la veux? Elle est pas sortie à ta veste. Père m'a forcé à récupérer l'arrêt parce que tu es un incapable. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je t'aurais aidé, moi, traîtresse. T'as fait l'arriéré. Problème au sort-moi de l'aide tout de suite ou je t'ai fait manger ta litière. Ouais. Il faudrait abaisser la température par un procédé de cryogénie. Mais sinon, on peut essayer avec ce truc hyper puissant électromagnétique. Les gars, moi là. Il est très bien là. Hein, Marlon? Mariné ou séché, Léon? Tu me diras, hein? Oh, j'y arrête. Marlon? Mais je croyais que c'était pour toi! Calme, je tout. Viens, Chips! Je vais t'expliquer plan B! Fish! Et Chips! On peut savoir dans quelle eau tu nages? Où t'étais passé? On se calme, tête de murène! Je suis tombé dans les égouts! C'était les chutes du Niagara et je me suis fait mal! Là! Oh, tu veux un bisou sur ton bobo? Hé oh! Pourquoi je serais parti? Tu sais bien que la castagne, ça me détend. La plaque d'égout s'est ouverte tout à coup, comme si elle avait été trafiquée. Tiens, voilà ta copine. C'est pas ce que tu crois. Ouais, ouais. Lorsqu'un piranha et une plante carnivore se trouvent face à face, ils peuvent faire des ravages dans l'aquarium et sont loin de vous. Fish ? Quel chaton, ce Chips! Il a tout fait rater! Franchement, depuis que je le connais, il n'a pas évolué. C'est pas comme toi, Fish. On n'a pas les mêmes ambitions dans la vie.
Alors comme ça, vous n'étiez pas de mèche? Mais non! En plus, père m'a secoué les puces comme un oranger! Ah bon? Il est ressuscité, le vieux Matou? C'est la panure qui l'a remis en forme? Oui, enfin, pas vraiment, c'est... le dernier sursaut avant la fin, tu sais comment il est. Fiche, s'il te plaît, avant de mourir, père voudrait vraiment voir l'arête. Vous savez où me trouver? Je bosse, moi. Fiche, monsieur. Non! Je ne veux pas acheter d'arbres à chat, de souris en plastique biodégradable, ni de gamelles en porcelaine! C'est bien ce que je disais à Tiffany. Oh. Pour une vieille peluche agonisante, vous avez drôlement la pêche. Hein? Fiche! Aïe! Hasta luego, vieux crouton! On se voit tout à l'heure à l'aquarium pour l'arrêt. Tiffany a réglé ça en deux coussinets et trois pattes de chat. Une vraie graine de Barbotus. Fish and a ship. Fish, fais-moi une nage indienne et un coulé-boulé norvégien. Après, t'enchaînes avec ton salto mexicain. Fish, ce serait mieux si père pouvait voir l'arête de près. Viens de ce côté-ci. T'as bien une bulle d'oxygène pour respirer le même air que nous. Ben justement, il y a rupture de stock. Oh, quel dommage. Mais Marlon, on t'a pas dit de venir. Ce demeuré n'est même pas capable de reconnaître son père. Tiffany, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Un plan mûrement réfléchi qui aurait parfaitement marché si je n'avais pas une famille derrière. Mais je vais la voir, cette arête, Popa. Maître Fanino, déchirez mon testament, je déshérite les deux crétins qui portent mon nom. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah oui, les chats ne font pas des chiens. Sur le canal 18 de la TNT gratuite.